Bon, ça y est, j'ai fini de m'équiper. On se trouve, ça y est, devant un lieu particulièrement impressionnant. Un lieu que j'avais promis, que je vous avais promis de faire dans cette nouvelle saison de Ghostorier. On voit la Thomas qui arrive. C'est un lieu qui est très effrayant, je vous le cache pas. J'étais venu faire un repérage il y a quelques temps et j'avais entendu des bruits de pas à l'étage. Je suis en train d'expliquer ma première venue. Ça m'avait pas mal déstabilisé sur le coup. Bon, ça y est, je suis rentré dans le manoir, ou dans le château. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un château ou plus un manoir. Je vais refermer la porte. Voilà. Pour éviter qu'il y ait trop de bruit parasite venant de l'extérieur. Bon, j'espère que vous allez bien voir, parce qu'il fait très sombre dedans. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, je me présente, je m'appelle Julien. Je suis un enquêteur en paranormal. Je suis là pour communiquer avec vous. Là, pour le moment, je visite votre endroit, si vous le permettez. Et ce soir, avec tout le matériel, nous pourrons communiquer, dialoguer. Il y a plein de petits jouets. Il y a quand même du squat ici. Il y a du monde qui vient. Il y a une raquette par terre de badminton. Il y a de la bière. Du space-fond. Et là, on se trouve dans le garde-manger. Il y a encore de la... des sauces. Il y a de la sauce burger. Des rouleaux de papier toilette, pardon. C'est calme. Et là, qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a une douche. Ah, c'est bizarre, une douche ici. Bon, je suppose qu'il n'y a pas d'eau. On va tester quand même. Non, que dalle. Que dalle. Ce qui est bizarre, il y a du... je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vient. Il y a du gel douche et du shampoing. C'est chaud quand même. C'est bizarre. Il y a du monde qui vient ici, peut-être. C'est quand même bizarre. Alors, je fais attention parce qu'il y a une échelle en plein milieu. Regardez. Faire attention de ne pas tomber. Donc là, on doit atterrir dans le salon avec un beau parquet. Il y a un beau tapis de sol. Votre maison est très bien entretenue. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'endroit, voilà, est vraiment correct. Il n'est pas trop dégradé. Ah, je crois que la Thomas. Là, on doit tirer dans le jardin. Je disais, c'est vraiment sombre. Hein. C'est hyper sombre. Donc là, on doit tirer dans une des chambres, je suppose. J'aurais peut-être dit plutôt un séjour, moi, ou un endroit où manger. En tout cas, la pièce est quand même très grande. Il y a des matelas, il y a de quoi faire. Ouais. Tu te demandes pourquoi il y a une sangle ici. T'as l'impression que quelqu'un qui était attaché ici, peut-être. Il y avait des séances de... satanisme. Voilà, je cherchais le mot. T'as vu, il y a un carton d'iMac. Ouais. Je crois qu'à mon avis, il n'y a plus l'ordi dedans, mais... Celui qui vient ici... Celui qui vient ici, il a les moyens. Bah, il y a un super beau radiateur, effectivement, ouais. Dans un état du 9. Il est pas léger. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un beau parquet. Ouais. Typique d'époque. Tiens, c'est des radiateurs électriques, là. Donc là, là-bas, j'ai fait. Alors, je vais faire attention parce que l'escalier, il est en train de partir en lambeaux, pépère. Certains endroits. Elle, faut que je la forme tout à l'heure. Parce qu'elle fait que de claquer. T'as peur ? Hein ? Tu veux une arme pour te défendre ? Tu l'as trouvé où le couteau ? Alors la dernière fois quand j'étais venu, il y a quelque chose qui m'avait foutu les jetons. J'ai pas honte de le dire, c'est ce foutu rideau. Il a quelque chose, mais... C'est une béquille d'enfant. Ouais. Ouais. Bah ouais, puis de toute façon, quand tu vois le tour, ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment, vraiment bizarre de voir des trucs comme ça. Mais il y en a un qui... Enfin, un ou plusieurs qui viennent ici. Hein. De l'autre côté, j'ai trouvé du gel douche et du shampoing. Donc, il y a du squat, quoi. Ouais, bah ça... Oh, la jolie corde. Ça reste quand même en bon état malgré tout. Hein, ton... Malgré que ce soit aux 80. Ouais, mais regarde le plafond. Ah, il commence à fissurer un peu, ça commence à il y a surtout une infiltration d'eau. Mais c'est pas non plus catastrophique. Non, 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 j'ai vu pire. Hein. Ah, bah oui, le manoir qu'on a fait, oui, c'était pire. Pire que ça. C'est les toilettes là, je suppose. Non, non, même pas. C'est quoi? Je sais même pas. Je pourrais même pas dire ce que ça pouvait être. Ah non, je sais pas ce que c'était. Là, il y a quoi là? On pourra laisser un plan fixe ce soir dans une des chambres. Ouais. C'est les animaux. Pardon, c'est les animaux. Donc tu vois la dernière fois, non c'était en haut qu'on était et on a entendu marcher à l'étage d'en dessous. Bah ouais. Quand tu t'y attends pas, oui ça fait bizarre. Quand on prenait bien, on était à l'écart. Ouais. Pourquoi tu l'as trouvé? regarder. Oh la vache, ah bah non, je vais... C'est le même bazar que la dernière fois, je vais pas pouvoir passer. Attends, je vais les voir. Ah, oh. Désolé pour cette petite musique. Peut-être que ça sera coupé au montage. Non mais t'as rien, t'as juste une pièce qui donne dehors. Ouais. T'as une porte qui donne dehors et la porte elle est fermée à... Bah elle est même pas fermée à clé, il y aurait même moyen de rentrer par là. D'accord. Mais putain, les escaliers c'est... Voilà, voilà. C'est raide hein, c'est étroit. Ah ouais, non mais là les escaliers, ouais c'est raide. Bon, bah j'ai pas trouvé la carte. Mince. J'étais tout content. Bon, étage du dessus. À l'étage du dessus. Et c'est à l'étage du dessus que j'avais entendu marcher, à l'étage d'en dessous. Tu vois le délire, quoi? Attends, on n'a pas fait par là? Si? Non. Oh, non, non, on n'a pas fait. Ah, là, les toilettes, si tu veux. Ah. Si ce soir t'as besoin d'une pause caca ou pipi. Ouais. Comme tu veux. Mais il y a des pièces qui sont quand même... Ah, là t'as un morphé quand même. Plus dangereuses que d'autres. Courant. Par contre, évite de donner la localisation du lieu. Hein. Surtout que celui-là, je tiens à ce qui reste vraiment secret, quoi. T'inquiète pas, mais moi je donne aucun détail, aucun lieu, rien du tout. Faut beaucoup d'euros. Tu sais, celui qui aurait du pognon, c'est pareil, il pourrait le retaper là. Hein. Bah, là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Regarde, t'as toute la toiture là qui est en train de morfler, mais sévère, sévère. La toiture, elle est en train de se barrer et glisser. Il y a du boulot. Par contre, c'est vrai. Oula, à certains endroits, c'est short. Bon. Coucou. Après, c'est un vrai labyrinthe. Hein, t'as des couloirs partout, t'as des pièces partout. Bon, ça y est, je suis revenu au château du piano. Alors que je vous explique, j'avais fait un post sur Facebook disant voilà, qu'on avait fait le tournage au château du piano, que la partie de journée s'était bien passée, mais que la partie de nuit a été catastrophique. Voilà, j'ai eu des petits soucis d'ordre technique concernant mon éclairage, qui n'était pas assez fort, et du coup l'image était saccadée à certains moments, enfin bref, c'était dégueulasse, et j'ai eu aussi un manque de résultats. C'est pour ça que j'ai voulu revenir ce soir, parce que bon, la partie journée était quand même propre, donc voilà, et je pense qu'il y avait quelque chose à faire dans ce château, il y avait voilà, des résultats à avoir, du moins on va essayer, et voilà, j'ai voulu insister et revenir pour faire du coup ce deuxième acte. Je suis tout seul, Donc, je vous cache pas que je fais pas trop le fier. Il n'y a pas un bruit. Écoutez, on n'entend vraiment rien. C'est impressionnant. Alors que la dernière fois, j'étais quand même avec Thomas. Mais là, cette fois-ci, je suis tout seul. Donc, je me dis, ça va peut-être être mieux pour avoir des résultats. On va devoir être, disons, plus vigilant. Bonsoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais venu il y a pratiquement un mois et demi. Et j'avais fait une enquête avec Thomas. J'avais essayé de communiquer avec vous, avec les possibles entités qui sont dans ce manoir ou château, enfin on ne sait pas trop. J'aurais tendance à dire c'est plus un château. Mais quand j'ai regardé les rushs, je n'ai eu aucun résultat. J'avais mis des plans fixes, un dans le couloir du premier étage si je me souviens bien, et un autre dans la salle du piano. J'avais mis un pod et voilà, il n'y a pas eu de réaction. J'ai remis ce même pod aujourd'hui, enfin ce soir, en haut, dans la salle au rideau rouge. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Je m'appelle Julien. J'ai apporté mon détecteur de champ électromagnétique, je vais l'allumer. Et je l'ai programmé à 2 milligauss au niveau de l'alarme. Alors je vais l'allumer, hop. Voilà. Donc voilà. Pour le moment, je suis à 0. Il fait 20 degrés 8. Il fait bon, il fait pas trop frais. Est-ce que il y a quelqu'un dans ce manoir? Je suis pas là pour vous faire du mal. Sachant le peu de résultats que j'ai eu avec l'Ovilus, je ne l'ai pas ramené cette fois-ci, mais j'ai ramené la Spirit Box. Donc peut-être plus approprié pour ce genre de lieu. À voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce château, ce manoir? Vous pouvez faire du bruit, taper sur un mur par exemple, comme ceci. À 0 milligauss. Vous voulez bien vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main. Cet appareil détecte les champs électromagnétiques. C'est ici que... il y avait du gel douche, il me semble, ou une douche là-bas. Peut-être de l'eau du coup. Ou une araignée, regardez. Ouais, je sais pas. On va pas s'amuser à l'allumer. Il y a des personnes qui viennent prendre des douches ici. Allez, n'ayez pas peur. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui vient prendre des douches ici. C'est étouffant l'air ici, étouffant. Petit jouet. C'est à vous les jouets sur la table. Si je pose mon appareil avec vos jouets. Bien jouer avec moi, tous les jouets qu'il y a sur la table. C'est peut-être pas simple pour vous de communiquer. Que je monte aux étages supérieurs, vous êtes peut-être en haut. Je reprends mon appareil, d'accord. Et on peut peut-être aller en haut, communiquer. Moi, ça me dérange pas. J'ai vu lors de ma dernière visite qu'il y avait beaucoup de livres ici. Peut-être que vous aimez la lecture. Je monte aux étages supérieurs. Est-ce que vous avez vu le pod que j'ai placé dans le centre de la pièce? Je vois rien. Il y a des choses qui n'y étaient pas d'un fond, ça. Je ne sais pas que ça y était. Ouh, il y a des trous. Putain, à faire gaffe où je mets les pieds. Ouh. Ah, j'avais pas vu, il y a des posters. Il y a des portraits au mur. C'est vous sur les portraits? Allez, n'ayez pas peur. Je vais pas vous faire de mal. Vraiment pas. Faut vraiment je mets les pieds parce que à certains endroits il y a des trous. Vous avez une belle cheminée. Est-ce que vous voulez qu'on allume un feu de cheminée? Il y a quelqu'un avec moi qui souhaiterait communiquer. Une entité qui serait peut-être prisonnière de ce lieu. Et qui malheureusement n'arrive pas à trouver la lumière, n'arrive pas à sortir. Je vais taper sur la porte. Est-ce que vous pouvez faire pareil? Ouais, j'ai pas choisi la bonne. Faites comme moi, tapez sur une porte ou sur un mur. arrive à la salle du piano, mais je vais pas pouvoir y aller parce que c'est très bas. Ouh, il fait plus chaud ici. Ouh. Il y a beaucoup de livres ici, hein. Ça vous embête si je fais un petit peu de lecture? J'ai envie de lire quelque chose. Si je prends Histoire, classe de 3e, premier fascicule. Il y a l'araignée qui va avec. Alors. La Bastille, vieille forteresse bâtie par Charles V de 1370 à 1382 pour défendre Paris du côté de l'Est, était devenue une prison d'État. Ça vous parle? Ça vous parle tout ça ou pas? Et si on communiquait avec ma petite radio, est-ce que ça vous dit? Ce serait peut-être plus simple pour vous? Non? Allez, dites-moi quelque chose à travers la radio, à travers cette Spirit Box. Dites-moi votre prénom. Qu'est-ce que c'était ici comme lieu? Moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici. Prends la flotte, lui. Allez. Racontez-moi. Vous avez des choses à me dire, je suis sûr. Belle araignée là. Et hop, elle est partie. C'est à qui les photos sur le mur? Est-ce que c'est votre portrait? Allez, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Parlez-moi de tous ces livres-là, qui sont en vrac par terre. Touchez-moi l'épaule, je sais pas. Faites quelque chose. Montrez votre... Montrez que vous êtes là. Montrez que vous existez. Il y a le piano qui est ici. La salle du piano. Là-bas, là. Est-ce que vous avez déjà fait du piano ? Il y a plein de noms inscrits sur le mur. Est-ce que c'est vous, sur ce mur? Est-ce que c'est vous qui avez écrit tous ces noms? Je vois un... Rudy. Un Fred. Le 13-4 2021. J'ai l'impression que c'est tout récent. Wow, c'était quoi ça? Il y a une Claudine. Je vois le 26-9 en 1940. Est-ce qu'il y a une Claudine par ici? Pendant de longues minutes, je vais arpenter les nombreux couloirs du château en espérant y trouver des réponses aux questions que je serai amené à poser. Malheureusement, les seuls bruits que j'entendrai seront mes pas et le bruit blanc de la Spirit Box. Cet endroit reste un grand mystère pour moi. La première fois que je suis venu, j'ai entendu des bruits de pas à différents étages de la bâtisse, comme un gardien invisible rôdant et surveillant le moindre de nos faux pas. Un piano restant seul dans le noir, prêt à maudire quiconque s'en approcherait.